mais très chanté et les gens entendent. C'est l'enseignement. Donc vous devez être sûr quand vous chantez chaque phrase. L'Éternel est ma force, et le sujet de mes louanges. Les gens entendent, ah, l'Éternel est ma force, et le sujet de mes louanges. C'est ça. Ce que vous êtes en train de chanter, c'est ce que les gens doivent écouter. Et comprendre ce que vous êtes en train de dire. OK? Il a précipité sur la mer le cheval et son cavalier. Je chantais à l'Éternel car il a éclaté sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Je chante, voilà ce que ça, ça commence à venir. Je chante, ok, allons-y. Thank you.
Car toi, ô éternel, assigne ta faute, assigne sa force, ta droite, ô éternel, a dégagé l'ennemi. Essaye un peu. Oh,
droite. Oh, éternel, a signalé sa force. Ta droite, oh, éternel, a écrasé l'ennemi. Ta droite, oh, éternel, a signalé sa ta droite s'entendre, ta droite, ok, mais t'as quoi, à droite, non, ta droite, non, à droite, non, ta droite, oh, oh, éternel, a signalé sa force, ta droite, oh, oh, éternel, a écrasé l'ennemi. Je chanterai avec
orang yang baik saya. Betul, kata dari kosong. Eh, susah, sini sah. Faites des évolutions pour la sainte Catherine. Voilà la fois qu'on peut en mettre pour chanter une chanson. Et dès que je vais encore arranger du côté occidental, du côté droit, peut-être deux personnes chantent, deux personnes reviennent, et que à ce moment-là, la chanson pourra être écoutée. Et ça va captiver. Quand une personne chante, on peut s'entendre. Soit deux personnes sortent, soit trois personnes sont à l'œuvre, et soit tout le monde à l'œuvre. C'est ça qu'on doit faire. Ok, les instrumentistes, vous évoluez tant bien que mal, et avec beaucoup de fierté, que Dieu vous bénisse davantage. Amen. Merci.